21h17, France-Allemagne se joue depuis 16 minutes. Une explosion résonne dans le Stade de France. Quelques minutes plus tard, une seconde. Des kamikazes viennent de se faire exploser à l'extérieur de l'enceinte. François Hollande est en tribune, il est rapidement évacué. Sur le moment, personne ne semble réaliser ce qu'il se passe. On a entendu deux déflagrations pendant la première mi-temps. On pensait que c'était des pétards, donc le match a continué. Hein. On se demandait ce qui se passait, tout ça, mais on était au courant de rien. Quoi. Quasi simultanément, dans Paris, les fusillades se multiplient. Dans le 10e arrondissement, des tirs à l'arme automatique qui visent le Carillon, un bar, et le Petit Cambodge, un restaurant. De nombreuses personnes sont tuées par plusieurs hommes en voiture. Sur place, la tension est immense, en témoignent ces injonctions lancées à un automobiliste par la police. Dans le 11e arrondissement de Paris, rue de Charonne, un autre carnage. Entre 2 et 3 minutes, de tirs en rafale, selon des premiers témoignages. Après plusieurs rafales, on a pensé dans un premier temps à des pétards, et arrivé sur les lieux, une zone de cauchemar avec toute une terrasse remplie et tout le monde à terre, des cris, les personnes sont arrivées en voiture, ont tiré plusieurs chargeurs et sont parties tout de suite après plusieurs rafales. Une autre fusillade rue de la Fontaine au Roi dans le 11e arrondissement fait plusieurs morts. Peu avant minuit, François Hollande s'adresse aux Français. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. À ce moment-là, une seule attaque est encore en cours. Des terroristes ont investi le Bataclan, une salle de spectacle. Ils ont fait irruption en plein concert de rock. Au milieu du concert, il y a eu des sortes de pétards que j'ai entendu dans mon dos, comme tout le public. On pensait que ça faisait partie du show. Et il y a eu un mouvement de foule tout à coup, où tout le monde s'est précipité au sol. Et il y a eu ce mouvement qui a fait qu'on s'est tous retrouvés recroquevillés les uns contre les autres, et ça a commencé à tirer dans tous les sens. Après les premières rafales, ils prennent une partie du public en otage pendant près de 3 heures. L'assaut final, lui, dure 30 minutes. Les 4 assaillants meurent, 3 en actionnant leur ceinture d'explosifs.